Elle est hagarde, furieuse, elle court, elle crie, elle pleure, elle hurle, le feu! Le feu, le feu devant eux, le feu! Elle court, cette femme, on la regarde, qui est-ce? Elle pleure, elle crie, ses cheveux flottent au vent, le feu! Il faut que Paris brûle! Cela se passe à la fin du mois de mai 1871, dans la commune qui est en train de mourir. Cette femme, c'est Louise Michel. 1,64 m, cheveux et sourcils bruns, front haut, yeux bruns, nez gros, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint ordinaire. Voilà le rapport de police. Teint ordinaire, peut-être. Mais la femme, elle ne l'est pas. Louise Michel, c'est probablement, c'est sûrement la femme la plus extraordinaire de son temps. Et ce que dit le rapport de police n'est pas suffisant, car il ne parle pas de ce qu'il y a derrière le regard. Oui, les yeux bruns, mais le regard. Ce qu'il ne dit pas, c'est cette foi lumineuse, cette ardeur, cette bonté aussi, cet amour. Quoi, elle est bonne, Louise Michel, et elle crie qu'il faut mettre le feu à Paris? Eh bien oui. C'est le paradoxe, c'est le contraste de l'époque, le paradoxe de cette femme. Et d'ailleurs, elle a raison, Paris va brûler. Alors oui, on l'appelle la Vierge Rouge de la Commune. Et quand on parle d'elle, quand on l'imagine, c'est toujours sur un fond de barricade. Elle est à la fois un symbole et un épouvantail. Je me souviens, j'étais tout enfant, c'était en 1936, pendant le Front populaire, et dans ma ville natale, à Lille, j'étais sur le trottoir avec beaucoup de gens, il y avait un défilé. Défilé de grévistes, beaucoup de femmes, ils allaient vers la Bourse du Travail, beaucoup de femmes qui étaient des ouvrières, vêtues naturellement très simplement, en cheveux. À l'époque, c'était une marque d'être en cheveux, et je me souviens qu'il y avait une dame à côté de moi, qui, voyant ces femmes, m'a dit d'un air de mépris, toutes des Louise Michel. Je ne savais pas ce que c'était, Louise Michel. J'ai demandé, on m'a dit, une révolutionnaire. Une révolutionnaire, oui, mais cette révolutionnaire-là est née dans un château. Oui, le château de Vrancourt. Et pourquoi est-elle née dans ce château? Eh bien parce que sa mère était une fille du peuple, une orpheline qu'on avait recueillie, qu'on avait élevée avec les enfants de la maison, Laurent et Agathe de Maïs. Elle s'appelait Marianne, cette fille du peuple, et puis elle était devenue grande. Et puis un beau jour, elle était venue en pleurs, elle avait 22 ans, annoncer à Madame de Maïs, sa patronne, qu'elle était enceinte. Fallait pas chercher bien loin. Le fils de la maison, Laurent, venait justement de s'enfuir, de disparaître, il ne voulait pas de cette paternité. Et alors c'est là que commence quand même l'extraordinaire. Nous sommes au 19e siècle, nous sommes en 1830, nous sommes au point de vue de la morale dans l'hypocrisie la plus absolue. D'ailleurs on parle de la bourgeoisie absolue, c'est
le temps de la bourgeoisie absolue. Normalement, on devrait fiche dehors cette domestique qui attend un enfant. Ben non, les deux maïs la gardent. Ils savent que l'enfant qui va naître est leur petit enfant, alors donc ils la gardent. De Maïs, oui, c'est une famille noble, vieille noblesse, et pendant la Révolution, Étienne de Maïs a adopté les idées de la Révolution, et De Maïs, il a resserré, il a enlevé sa particule. Et ils vivent là, chichement, d'ailleurs ils ne sont pas riches, les De Maïs ont quelques fermes autour du château, ce château est très triste. Maurice Barrès, qui est allé visiter, l'a trouvé extrêmement morne, avec le vent qui sifflait. D'ailleurs, dans le pays, on l'appelle le tombeau, c'est pas très drôle. Il n'y a aucune fenêtre du côté du sud, c'est étrange. Toutes les fenêtres sont du côté du nord. Et voilà qu'elle naît, cette petite fille, car c'est une petite fille. On l'appelle Louise, la mère s'appelle Michel, Marianne Michel. Naturellement, elle ne prend pas le nom de son père, de Maïs, elle prend le nom de sa mère. C'est la loi. Et elle a entre deux orteils une membrane. Or, tous les deux maïs ont cette membrane. Alors, on ne doute plus. D'ailleurs, on n'a jamais douté. Voilà, Louise Michel. Elle va grandir dans ce château, disons, très heureuse. Parce que le grand-père et la grand-mère l'adorent. Alors, elle grandit. Dès qu'elle est en âge, on l'envoie à l'école du village. Elle est bien dans cette école du village. Et puis surtout, dès qu'elle sait lire, d'immenses lectures, il y a plein de livres dans le château, elle lit tout. Sa culture viendra de là. Quelquefois, le soir, le grand-père de Maïs raconte au coin de la cheminée des histoires de la Révolution qu'il a bien connues. Et il parle de l'héroïsme des deux côtés, des blancs et des bleus. Il a raison parce qu'il y a des héros des deux côtés. Et puis, Madame de Maïs se met au piano. Elle apprend le piano à sa petite fille. Quand elle a 15 ans, Louise écrit des poèmes, elle est très pieuse, très religieuse, elle écrit d'ailleurs des poèmes religieux, les bonnes chrétiennes. Plus tard, elle le niera, elle voudra l'effacer de sa vie. Il ne faut jamais essayer de reconstituer son passé à l'égal de son avenir. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle a voulu nier cette jeunesse chrétienne. Parce qu'elle était devenue anticléricale, parce qu'elle affirmait qu'elle était devenue athée. Pour l'athéisme, d'ailleurs, je ne suis pas très sûr. L'anticléricalisme s'explique parce que politiquement, elle était d'un côté où on affirmait que l'Église jouait un rôle néfaste pour l'émancipation du peuple. Alors oui, mais elle a été chrétienne profondément. Ses vers sont évidents à cet égard et je pense qu'il y a au contraire une logique parce qu'elle est passée de la foi chrétienne, de la foi en Dieu, à la foi dans les hommes. Puis le grand-père meurt, et la grand-mère est inquiète. Qu'est-ce que va devenir cette petite quand elle disparaîtra? Elle est généreuse, cette petite Louise. Maurice Barrès, toujours lui, il était allé à Vrancourt parce qu'il voulait écrire un livre sur Louise Michel. Il ne l'a pas fait, c'est regrettable. Il a enquêté, on lui a dit, mais vous savez, elle était déjà, elle avait même 12 ans, 13 ans. Elle dérobait de l'argent à ses grands-parents pour les donner aux pauvres. Les gens venaient, c'était toujours elle qui donnait. Et puis un jour, elle est rentrée au château sans souliers. Elle avait vu une petite pauvresse qui avait les pieds nus. Elle avait donné ses souliers. C'était déjà ça, Louise Michel. Alors la grand-mère se dit, il faut la marier. On trouve un garçon, un homme plutôt beaucoup plus âgé qu'elle. Il est borgne, c'est pas très grave qu'il soit borgne, mais il a des idées arrêtées, il veut que la femme qu'il épouse soit exactement à son image. Il faut qu'elle ait exactement ses propres idées, qu'elle raisonne comme lui, qu'elle parle comme lui. Bref, c'est Arnolphe qui cherche une Agnès. Et Louise ne veut pas être Agnès. Elle a de la personnalité, elle le sait. Être l'ombre d'un homme, ah non. Alors, adieu, le premier prétendant, il y en a un second. Celui-là, il est orgueilleux, vaniteux, il est gonflé de vanité. Et elle trouve qu'il ressemble à une oie. Alors, elle ne veut pas être la femme du noix. Adieu, le deuxième prétendant. Et la grand-mère meurt. Alors, Laurent et Agathe vendent le château. C'est fini. Marianne, Michel et sa fille Louise sont à la rue. Où vont-ils? Eh bien, chez un oncle. Et l'oncle dit à la petite Louise, il n'y a qu'une solution pour toi, être institutrice. C'est vrai que pour une jeune fille qui a reçu de l'éducation, une jeune fille qui a été élevée dans un château, qui ne peut donc pas être ouvrière ou domestique, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a la prostitution, bien sûr, qui est une solution qu'on pratique beaucoup
à cette époque. Et puis elle est institutrice. Alors pourquoi pas, elle sera institutrice, elle part pour Chaumont pour étudier 6 mois. En 6 mois, on forme une institutrice, ce qui indique assez bien ce qu'est l'éducation à cette époque, et notamment l'éducation des filles. Et elle passe par Paris. Et là, il se produit quelque chose. Depuis l'âge de 15 ans, depuis qu'elle écrit des poèmes, elle les envoie à Victor Hugo. Tous les poètes de France, à cette époque-là, envoient toujours leurs poèmes à Victor Hugo. Et comme Victor Hugo est un homme bon, un homme courtois, il répond. Et il a répondu à la petite Louise Michel. Alors, Victor Hugo, pour elle, c'est son dieu. Il est encore jeune, Victor Hugo, c'est pas encore le barbu. Et elle est à Paris, elle passe par Paris, elle va voir Victor Hugo. Et qu'est-ce qui se passe? Alors là, problème. Il n'y a qu'une mention de Louise Michel dans les carnets intimes de Victor Hugo qui révèle tant de choses sur sa personnalité. Elle est de 1870. Et il écrit dans ses carnets intimes « Promenade en voiture avec Enjolras, 1 heure, 2 francs 50. » Enjolras, c'est un des pseudonymes de Louise Michel. Elle a également Louis comme pseudonyme parce qu'elle prend des prénoms masculins, ça se fait. Enjolras, vous avez lu Les Misérables, c'est un personnage des Misérables. Alors, Enjolras, fiacre, 1 heure, 2 francs 50. 2 francs 50, c'est le prix du fiacre. Mais voilà ce qui est un petit signe à côté de la mention. Vous savez que Victor Hugo disait tout dans ses carnets et qu'il avait des signes kabbalistiques. Et là, il y a N. Qu'est-ce que ça veut dire, N? Monsieur Henri Guillemin, qui a déchiffré avec une patience de bénédictin ses carnets, et j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Henri Guillemin, Monsieur Henri Guillemin a cru comprendre que ce N qu'on retrouve assez souvent veut dire nu. Ah! Alors, si Louise Michel a été 1 heure en fiacre, elle s'est donc déshabillée dans le fiacre. On n'a pas l'habitude de se déshabiller dans le fiacre pour lire Spinoza. Donc c'est donc qu'elle s'est donnée à Victor Hugo. Et M. Guillemin pense que si elle s'est donnée en 1870, c'est probablement qu'il y a eu une étape antérieure qui était en 1850. Raisonnement ingénieux, d'autant plus qu'on sait que quand Hugo voyait passer un jupon devant lui, il n'avait qu'une hâte, c'est d'enlever ce jupon. Oui, mais voilà. Madame Edith Thomas a écrit Une vie Louise Michel, c'est la dernière en date, c'est la meilleure, un livre remarquable. Et elle se demande si, par haine, il ne faut pas avoir une autre interprétation. Haine ne voudrait pas dire nu, mais non. Vous avouez que ce n'est pas du tout la même chose. Alors évidemment, cette dame qui est en fiacre avec un monsieur qui lui dit non, ce n'est pas du tout la même chose que si elle se met nue dans le même fiacre. Alors moi, j'aurais tendance à penser que Madame Edith Thomas a raison et qu'en effet, elle a dit non. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure quand nous serons en 70 et vous verrez qu'il y a une preuve de ça. Et moi, je crois qu'il faut lui garder sa réputation et son surnom de Vierge Rouge. Elle a son diplôme d'institutrice et la voilà dans un village à Deloncourt où elle ouvre une école, 15 enfants, 1 franc par enfant, 1 franc par mois. Elle est très pauvre. Elle est la plus pauvre du village. Mais ce sera toute sa vie comme ça. Un autre village, une autre école, la pauvreté augmente encore, et la voilà qui part pour Paris, car on lui offre une place de sous-maîtresse dans une école de Paris, chez Mademoiselle Vollier. Elle devient institutrice un peu plus tard. Elle forme une école avec Mademoiselle Poulain, une demoiselle Poulain, rue Oudot. Elle est institutrice. Et le jeune Clémenceau la verra dans cette école. Jeune Clémenceau, qui est médecin, qui est dans l'opposition, naturellement, farouchement républicain, extrême-gauche. Et la voit, il en parle avec gentillesse, affection. Il dit, ben oui, elle était là dans la cour de récréation. Et puis quand on est entré, il voyait une ribambelle d'enfants accrochée littéralement à sa vieille jupe noire. Et puis alors, elle élevait une tortue, des souris blanches, une couleuvre. Il y avait un petit jardin, tout ça, pour donner des leçons de sciences naturelles. Et ses enfants étaient passionnés par cette maîtresse. C'était l'école du roi Péto, dit Clémenceau. Mais on enseignait, elle enseignait, c'était original. L'enseignement, oui, mais elle est dévorée d'une flamme, d'une passion intérieure, Louise Michel.
Et c'est très singulier. Qu'est-ce que c'est que cette passion intérieure? Eh bien, elle aime l'humanité. Elle aime les hommes. Elle aime tout ce qui est là autour d'elle, les humains. Vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire aimer les hommes, aimer les humains? Bien, vous allez voir. Par exemple, elle voit qu'il y a ici et là des petits-enfants qu'on appelle des enfants arrière et ce qu'on appelle aujourd'hui des handicapés. On ne fait rien pour eux. Et elle se dit qu'il faut faire quelque chose. Alors, elle se rassemble avec deux ou trois institutrices comme elle et elle prend en main l'éducation des handicapés. Et puis elle regarde également autour d'elle et elle voit les aveugles. Et elle fait la lecture aux aveugles. Et puis elle regarde aussi autour d'elle et elle trouve que cette société qui l'entoure est dure à l'homme, très dure. Nous sommes en plein essor de l'âge industriel. Il n'est pas vieux l'âge industriel, il vient de naître. Et si en effet la France moderne se forme, se sillonne de chemins de fer, de canaux, si on creuse des ports, si partout se construisent des fabriques, des usines, c'est la fortune de la France qui se crée à ce moment-là. Il y a le revers de la médaille. Il y a tous ceux qui travaillent. Et ça, c'est affreux. Parce que ces ouvriers, ces ouvrières viennent de la campagne, ils n'ont pas de formation souvent. Et surtout, ils n'ont aucune protection. Paradoxalement, ce qui leur a supprimé toute protection, c'est la Révolution française. La loi Le Chapelier a fait le malheur des ouvriers et des ouvrières. Ils n'ont pas le droit de s'associer, donc pas de syndicat. Ils n'ont pas le droit de grève. Si on s'associe, si on fait la grève, en prison. Ils sont pieds et poings liés à la merci des patrons, et ces patrons ne sont pas tendres du tout. C'est pas la mode d'être tendre. Et puis, autrefois, il y avait des artisans avec quelques compagnons, c'était humain, maintenant c'est inhumain. Le patron ne connaît pas ces ouvriers. Et il faut lire, dans tous ces témoignages de l'époque, ce que c'est que le sort de l'ouvrier, de l'ouvrière, d'interminables journées, des salaires de famine. Quand le travail diminue, on met à la porte des milliers d'ouvriers, il n'y a aucune garantie. Pourquoi? Il faut lire ces rapports. Il y a eu des rapports qu'on appelle des rapports de philanthropes. Ce n'étaient pas des gens de gauche, ces gens-là, c'était des bourgeois, mais des bourgeois qui avaient bon cœur, il y en avait, pourquoi pas. Et ils allaient étudier le sort de l'ouvrier, tout ça existe, noir sur blanc, Villermé, Adolphe Blanqui, pas le révolutionnaire, son frère. Il faut lire tout ça. Des salaires, on ne peut pas vivre avec ces salaires-là. Et il y a pire, c'est le salaire de la femme qui est la moitié de celui de l'homme, quelquefois le quart de celui de l'homme. Et Louise Michel regarde ça et dit, mais pourquoi? Pourquoi la femme? Pourquoi la paye-t-on pas de la même manière d'abord? Et puis les enfants? On travaille à 8 ans. Avant c'était 5 ans, mais depuis 1841, on s'est bagarré dur. On est arrivé à 8 ans, elle les voit passer, Louise Michel, ces petits gosses. Rachitiques, hâves. On les met dans les filatures sous les métiers, parce qu'ils sont plus habiles, ils passent la journée 12 heures ou 13 heures, en dessous des métiers, rampant pour attacher les fils. Elle dit, mais est-ce que l'homme est fait pour ça? Est-ce que la femme est faite pour ça? Est-ce que l'enfant est fait pour ça? Alors elle se dit que d'abord il faudrait éduquer ces jeunes ouvrières, elles sont illettrées, et elle va donner des leçons aux jeunes ouvriers. Ça c'est la grande idée du 19e siècle, c'est l'idée de Hugo. Il faut instruire le peuple. Parce que quand le peuple sera instruit, il sera plus intelligent et il pourra alors se servir, faire valoir ses droits. Alors elle instruit ces jeunes ouvriers. Et là, elle rencontre des républicains comme Jules Favre ou Eugène Pelletan. Et elle voit qu'il y a peut-être une solution. D'abord, faire du bien, c'est bravo. Mais il faut peut-être aller ailleurs, cette société. Plutôt que de chercher des palliatifs, on peut essayer de la transformer. Alors la République, oui, la République, elle associe Napoléon III à ses excès, à ses crimes aussi, contre l'humanité. Pourquoi? N'ayons pas peur des mots, souvent ce sont des crimes, il y a beaucoup de morts. La mortalité infantile est effrayante, il y a les logis, les logements. De quel droit oblige-t-on des familles entières, 10 personnes quelquefois dans une seule pièce? Souvenez-vous de ce que Victor Hugo a vu quand il est allé à Lille, quand il a visité les caves.
C'est l'enfer sur la terre. Est-ce que il ne faut pas faire quelque chose pour sortir des millions d'hommes et de femmes de l'enfer? Alors oui, les républicains. Et puis elle se dit que ces républicains, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la République. Bravo, elle veut la République. Mais la République, c'est le changement de gouvernement, c'est rien de plus. Alors elle regarde plus loin, elle découvre les blanquistes. Ce sont les disciples d'Auguste Blanqui, un socialiste, un révolutionnaire, admirable d'ailleurs. Pour ses idées, il passera 33 ans en prison. Alors elle est blanquiste, et puis elle voit plus loin, on lui parle de l'Internationale. Qu'est-ce que c'est que l'Internationale? C'est l'Association Internationale Ouvrière, ça vient d'Angleterre, c'est Marx à l'origine. Alors Internationale, ça veut dire plus de frontières, ça veut dire plus de guerre. Elle ne veut plus de la guerre. Elle voudrait que tous les hommes s'aiment. Elle voudrait l'amour. Alors elle adhère à l'Internationale, elle raconte qu'elle est montée l'escalier, ce petit escalier noir, obscur, comme elle montrait les marches d'un temple. Et maintenant, ça y est, elle est militante. Et un jour, dans un meeting, comme elle trouve que les hommes sont trop timides, eh bien, elle se lève, elle dit, si les hommes ne font pas la révolution, ce sera nous, les femmes, qui la ferons. Et puis, à la fin du Second Empire, Pierre Bonaparte, le prince Pierre Bonaparte, tue le journaliste Victor Noir. Il y a une immense manifestation à Neuilly pour ses obsèques. Elle va, elle, Louise Michel, sur la tombe de Victor Noir, et elle jure que tant qu'il y aura des iniquités comme celle-là, tant que la société ne sera pas réformée, elle, Louise Michel, s'habillera de noir, elle portera le deuil de la justice. Et c'est vrai, elle sera toujours en noir, Louise Michel. Et c'est la guerre de 70, et c'est Sedan, la reddition de Napoléon III, et puis immédiatement la réaction à Paris, le peuple qui marche sur le Palais Bourbon, le 4 septembre, la République proclamée, bravo, Louise Michel est là, bien sûr. Et puis les Prussiens qui encerclent Paris. Et puis Louise Michel qui est là. On a formé des gardes nationales. On a formé des comités de vigilance. Ce qui effraie Louise Michel, c'est que les Français viennent d'élire une assemblée nationale qui siège à Bordeaux, qui est royaliste, majoritaire royaliste. Quoi, le roi? Est-ce que c'est ça qui changera la société? Alors elle adhère au comité de vigilance du 18e arrondissement, aux deux. Comité vigilance des hommes, comité vigilance des femmes. Et elle rencontre là un blanquiste, Théophile Ferré. Un comptable, 25 ans, elle a 40 ans maintenant. Et elle tombe amoureuse de Ferré. Pour lui, c'est l'homme dont elle a toujours rêvé sans l'avoir rencontré. Elle dira qu'elle a cru voir Saint-Just. Il faut dire que quand on voit la barbe de Ferré, on ne trouve pas beaucoup qui ressemble à Saint-Just. Mais ça, ce sont les yeux de l'amour. Elle l'aime. Il ne faut pas sourire parce que c'est probablement, c'est même sûrement, le seul amour de Louise Michel, sa seule passion. Et le peuple ne comprend pas. Il y a 200 000 Prussiens autour de Paris, ils sont 400 000 Parisiens dans Paris, ils sont armés. Pourquoi ne fait-on pas une sortie torrentielle? Pourquoi ne fait-on pas éclater les taux? Et on manifeste dans Paris, et Louise Michel est dans ses manifestations, et au mois de janvier, elle manifeste sur la place de l'Hôtel de Ville avec le peuple. Et le gouvernement qu'on appelle le gouvernement de la défense nationale, et qui depuis le premier jour a résolu de ne pas se défendre justement, fait tirer sur le peuple. Elle est là, Louise Michel, elle entend les balles siffler, c'est sa première confrontation. Et elle dit dans ses mémoires qu'elle a regardé ces jeunes soldats de 20 ans qui tiraient des fenêtres de l'Hôtel de Ville. C'était des paysans, c'était des gens qui venaient des provinces, c'était des gens aussi pauvres que ceux sur qui ils tiraient. Et elle était fascinée, elle la regardait, elle disait, alors on peut tout faire avec des hommes qui ne savent pas. Et puis les Prussiens rentrent dans Paris. Une journée seulement, les Parisiens transportent les canons qu'ils ont payés pendant le siège, qu'ils ont fait fondre de leur denier, ils les transportent sur les hauteurs de Montmartre pour que les Prussiens ne s'en emparent pas. Et maintenant, il y a le gouvernement provisoire de M. Thiers, et ça gêne ce gouvernement provisoire que les Parisiens, dont on n'est pas sûr, possèdent des canons. Et le 18 mars 1871, le gouvernement de M. Thiers prend la décision de s'emparer de ces canons, qui sont gardés par le peuple, par les gardes nationales.
Et à l'aube, les soldats investissent la butte Montmartre, on chasse les gardes nationaux, on s'empare des canons. Normalement, les chevaux doivent arriver, les attelages, avec des prolonges d'artillerie, parce qu'il faut bien les tirer avec quelque chose, ces canons. Ils n'arrivent pas, ça c'est un de ces ordres mal donnés qui causent quelquefois les révolutions. Elle est là, Louise Michel, à la permanence du 61e bataillon de Montmartre. Et elle apprend justement qu'on vient de se saisir de ces canons. Elle crie « Au secours, alarme !» On se mobilise, Théophile Ferré est là. Ils ont chacun un fusil, ils montent à l'assaut de la butte Montmartre. Ils pensent qu'ils vont mourir parce qu'ils pensent trouver l'armée hostile. Et quand ils arrivent, pas du tout, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que peu à peu, à mesure que la matinée s'avançait, on attendait toujours les chevaux, et les gens de Montmartre sont venus voir ces soldats. Les femmes, notamment, leur a parlé, on leur a offert du café. C'est pas une très bonne atmosphère. Et le général Lecomte, tout à coup, a crié à la foule de se disperser, allez-vous-en! Et comme cette foule ne voulait pas s'enlever, s'en aller, le général Lecomte a crié, tirez dans le tas, feu! Pas un soldat n'a tiré. Et un sous-officier a crié, crosse en l'air! C'était fait, la troupe avait fraternisé avec le peuple, et le pauvre Lecomte sera d'ailleurs fusillé un peu plus tard. Et c'est la situation que trouve Louise Michel quand elle arrive. Elle est heureuse. Ainsi donc, ces soldats n'oublient pas d'où ils viennent. Et quand M. Thiers apprendra cela, eh bien, terrorisé, il quittera Paris avec le gouvernement pour Versailles, c'est fini. La Commune va se créer dans Paris. M. Thiers a créé délibérément les conditions de la Commune. Il a un plan, il reviendra un jour pour chasser les communards et pour anéantir les ferments révolutionnaires de Paris. La Commune, pour Louise Michel, c'est d'abord l'ascension de Théophile Ferré, qui devient l'un des personnages les plus importants de la Commune. Elle est heureuse, ravie que Ferré soit là où il est. Et puis aussi, ce sont ces réformes que vote la Commune, qui lui plaisent sur l'enseignement, sur l'assistance, sur le droit au travail. Elle a rêvé à cela jusque-là, et ça se fait. Ça se fait évidemment dans des conditions qui sont presque insolites. Cette ville est encerclée, cette ville, tout esprit lucide doit sentir qu'elle n'a pas d'avenir, et pourtant elle est en train de recréer une société dans des conditions qui font que, très probablement, toutes ces réformes qu'elle fait ne pourront jamais être appliquées, mais elle les fait. C'est un rêve éveillé qui se crée dans l'instant, et c'est pour ça que quand nous pensons à ces gens de la Commune, nous ne pouvons y penser qu'avec tendresse. Elle est furieuse contre M. Thiers, et elle annonce à la Commune qu'elle va aller le tuer. Comment tu le tuer? Oui, oui, je vais aller à Versailles, je vais le tuer. Alors on lui dit, non, on n'y va pas. D'ailleurs, tu ne pourras jamais aller à Versailles. Il ne faut pas le tuer parce que la province entière fera bloc après, autour de M. Thiers. Alors elle renonce à tuer Thiers, mais elle va quand même à Versailles, traversant les lignes, rapporte des journaux de Versailles pour montrer qu'elle a été à Versailles. Et puis quand on se bat au mois d'avril, elle est là. Elle a sans cesse, elle s'est occupée des enfants, depuis le siège d'ailleurs. Car on avait faim, on mangeait des rats, des chiens, des chats. Et avec Clémenceau, elle avait assuré la subsistance des enfants. Elle-même, elle n'avait rien. Elle-même, elle ne mangeait rien. Elle mourait de froid sur son lit avec une vieille couverture de cheval. Et Hugo lui avait donné de l'argent pour s'acheter une vraie couverture. Elle avait distribué l'argent aux pauvres. Alors Hugo lui avait dit, je vous redonne de l'argent, mais il faut me jurer que c'est vraiment pour acheter une couverture. Il avait dit non, alors ne me donnez pas d'argent parce que je sais bien que je le distribuerai. On se bat au mois d'avril, elle est ambulancière, elle soigne les blessés, puis elle trouve ça trop passif. Elle veut participer, elle veut défendre cette commune qui illustre ses idées profondes. Alors elle s'engage, on lui donne une très belle carabine, Remington, et elle se bat. On la voit ici, on la voit à Moulineaux, on la voit à Clamart. À Clamart d'ailleurs, au milieu de la bataille, on se bat autour d'une église abandonnée. Elle lâche le combat un instant pour entrer dans l'église et jouer de l'orgue. Ben oui, elle est musicienne, alors ça lui fait plaisir. Ah, ici, Clémenceau la voit.
Il est allé voir, il dit, c'est extraordinaire ce que j'ai vu, dit Clémenceau. Elle est là, elle fait le coup de feu, elle a horreur de tuer, mais elle est obligée de tuer pour que les autres ne soient pas tués. Et elle est désespérée de ça. Mais elle se bat et elle s'expose à chaque instant. Comment n'a-t-elle pas été tuée 100 fois? C'est incroyable. Elle est sur la barricade de Neuilly et elle aperçoit un chat entre les lignes. Alors elle quitte la barricade pour aller chercher le chat, elle adore les animaux. Pas seulement les hommes, mais les animaux. Et puis elle est dans Paris quand les Versaillais, le 21 mai 1871, entrent par surprise. Ils sont 25 000, on leur a fait la leçon, on leur a dit à ces jeunes gens de 20 ans, on leur a dit, il n'y a que des assassins dans Paris. Tous les hommes, tous les communards sortent de prison. Toutes les femmes sont des prostituées. Quant aux enfants, ils sortent des maisons de correction. Alors, pas de pitié. Et le journal de Versailles a imprimé la veille. Pas de prisonniers. Il faut que les soldats fassent dans l'instant et dans la rage ce qu'ils n'oseraient plus faire le lendemain. Et ils le font, croyez-le. Et ils avancent de rue en rue, de quartier en quartier, de bloc de maison en bloc de maison. Tous les communards qu'on prend, contre un mur, fusillés, pas de pitié. Les femmes, les hommes, les vieillards, tout le monde. C'est une tuerie effrayante. On n'en a pas vu à Paris comme celle-là depuis des siècles. Alors, elle est au début dans le cimetière Montmartre qu'elle défend avec les fédérés. Des obus frappent régulièrement le cimetière Montmartre. Un obus écrase un arbre en fleurs. Nous sommes au mois de mai, les fleurs tombent sur elle. Elle ramasse ses fleurs, va les porter sur la tombe de Murger, l'auteur de La vie de Bohème, et puis sur la tombe de Mademoiselle Poulain, son ancienne associée à l'école. Et puis les Versaillais arrivent, il faut courir, il faut quitter ce cimetière, il faut aller vers une barricade et puis une autre barricade. Ce qui est effrayant, c'est que cette semaine qu'on appelle la semaine sanglante, eh bien la résistance est une peau de chagrin. Les Versaillais arrivent de partout, se resserrent. Alors les hommes, les femmes sont là, place blanche, il y a 100 femmes qui défendent une barricade. Et puis elle est là, elle, au château d'eau. Barricade du Delta. Ils sont 7 pour la défendre. Et puis bientôt, ils sont 3. Et elle voit arriver des gardes nationaux, les renforts. Elle crie, venez, venez, nous ne sommes que 3. Et puis ce ne sont pas des gardes nationaux. Ce sont les Versaillais déguisés en gardes nationaux. Alors les deux sont immédiatement fusillés. Elle, on la bouscule, on la frappe. Elle est évanouie, on la croit morte, on la jette dans un fossé. Elle n'est pas morte, elle se réveille un peu plus tard. Elle s'enfuit et c'est alors qu'elle pousse ce cri. Le feu! Le feu, le venteux, un barrage de flammes! Elle pense que c'est la seule solution pour les arrêter. A-t-elle mis le feu? Mais non. Les incendies qui commencent à ce moment-là sont dans un autre quartier de Paris. Ce sont les Tuileries, c'est la Cour des Comptes, c'est la Légion d'honneur. L'hôtel de ville, elle n'est pas du tout par là. Ce cri qu'elle a poussé, eh bien, c'est un réflexe profond. Personne n'a délibérément mis le feu. Il y a des hommes, des femmes qui ont mis le feu, mais il n'y a jamais eu, par exemple, de pétroleuse. On l'a démontré, les études récentes le démontrent. Et pourtant, toutes les femmes que les Versaillais ont pris portant un bidon ont raconté aux Versaillais, vous savez, on a distribué du pétrole à des femmes et elles vont verser ce pétrole sur les monuments, ce sont les pétroleuses. Alors une femme qui va faire le marché, il faut bien sortir, aller chercher le lait des enfants. Alors malheur à la femme qu'on rencontre avec un bidon et avec du lait, on la fusille, c'est du pétrole. Et celle qui a une bouteille pour aller chercher de l'eau à la fontaine fusillée, des centaines de femmes sont fusillées comme pétroleuses, or il n'y a pas eu de pétroleuses. Les communards ont fusillé les otages, ils ont eu tort, le système des otages est affreux, 85 morts. Mais les Versaillais fusillent 30 000 personnes. 30 000. Les derniers combats, les dernières barricades qui tombent. La dernière bataille dans le cimetière du Père-Lachaise, de tombe en tombe, toute la nuit, horrible. C'est fini. Le sol de Paris, dira M. Thiers, est jonché de leurs cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. C'est la dépêche qui est envoyée au préfet. Alors depuis 8 jours, elle n'est pas rentrée chez elle, Louise. Elle rentre chez elle et les voisins lui disent « Ah, on est venu pour te prendre. » Bon, j'étais pas là, tant mieux.
Mais on a pris ta mère. Et oui, Marianne, la vieille Marianne. Où sont les prisonniers au bastion? Elle y court au bastion. Et elle trouve sa mère avec les autres prisonniers. Et elle se présente aux autorités versaillaises. Je suis Louise Michel. Ah! C'est toi, Louise Michel. Oui, c'est moi. Laissez partir ma mère. Puisque je suis là. On laisse partir la mère et les prisonnières avec les autres. Le troupeau qui s'en va, à pied, à Versailles. Ce troupeau d'hommes de tous les âges, de femmes, de vieillards, de tout ce qu'on peut imaginer. Ils marchent, ils sont des milliers qui marchent à pied vers le bois de Boulogne. Et à la muette, il y a le général Galifet. Et de loin, Louise le voit, le général Galifet, il est sur son cheval. Et le misérable troupeau s'avance, se scinde en deux pour passer de part et d'autre du cheval. Et il a une cravache, le général Galifet, il montre certains de ceux qui passent près de lui. Lui, celui-là, celui-ci. Alors on les emmène un peu plus loin derrière un bosquet, une salve, fusillée. Et il y avait un journaliste anglais, correspondant du Times, on ne peut pas le suspecter, qui disait, je me demandais, mais qu'est-ce qui motivait son choix? Il s'est rendu compte qu'il ne faisait pas bon être trop grand, ou trop petit, ou être trop rouge, ou trop pâle, ou avoir un nez trop long, tout ce qui différenciait légèrement de la normale fusillée. Et Louise le dit dans ses mémoires, j'ai dit je vais être fusillé. Non, elle passe. Et quand on arrive à Versailles, eh bien là, il y a autre chose. Il y a les Versaillais, les femmes, les hommes, les gandins, en toilette printanière. Les femmes ont des ombrelles, elles essayent de crever les yeux des prisonniers qui sont là, c'est charmant. Il faut que la police, la troupe les protège. La prison, Satory, des milliers de prisonniers. Elle est là au milieu des autres. Et elle comparaît devant le magistrat militaire instructeur. Et alors que certains, oui, tout le monde n'est pas un héros, certains essayent de minimiser leur rôle parmi les survivants. Elle avoue tout, elle reconnaît tout. Elle dit plus qu'elle n'en a fait. Et elle pense à Ferré, Théophile Ferré, qui n'a pas été fusillé, qui a été pris. Et il est dans sa prison, il y a des lettres d'une prison à l'autre, de belles lettres. Lettre d'amour de sa part à elle, Louise, lettre d'amitié de la part de Théophile Ferré. Et on le juge, condamné à mort. Alors elle écrit à tout le monde, il faut sauver Ferré. Impossible, on ne sauve pas Ferré. Il est fusillé. Et c'est pour elle l'écroulement, le désespoir. Et elle paraît à son tour devant le tribunal. Elle ne veut pas d'avocat, elle se défendra elle-même. Et on la dépeint comme la lie, sortie de la lie de la société, comme l'ennemi, eux, public numéro un. Le commissaire de la République dit, il faut la rayer de la société. C'est un danger, Louise Michel. Et elle a la parole, elle se défend. Elle dit, c'est vrai, messieurs, je suis un danger pour la société. Parce que moi, je refuse la société telle qu'elle est. Je ne veux pas que l'on exploite des millions d'hommes. Je ne veux pas que on les condamne à la misère, à la famine, à la maladie, que leurs enfants meurent. Je ne veux pas que leurs femmes soient contraintes à la prostitution. Je ne veux pas. Je ne me résigne pas. Je me battrai toute ma vie pour que cela ne soit plus. Alors, messieurs, oui, je suis dangereuse. Alors, messieurs, monsieur le commissaire de la République a eu bien raison. Il faut me rayer de la société. Je ne vous demande qu'une chose, c'est d'être fusillé. Tous mes amis sont morts. Les derniers ont été conduits au peloton d'exécution à Satory. Conduisez-moi, je vous le demande. Vous auriez tort de ne pas me faire fusiller. Parce qu'attention, si j'ai la vie sauve, je vous déclare la guerre. Éternellement, je serai votre ennemi jusqu'au bout. Messieurs, si vous n'êtes pas lâches, condamnez-moi à mort. Jamais on n'a entendu un tel discours. C'est une femme qui parle. Il y a un silence dans la salle. Inouï, il y a des journalistes de toutes les tendances. Et il faut lire la presse le lendemain, si certaines feuilles. Bon, évidemment, la traîne dans la boue. Il y a d'autres qui ne sont pas des feuilles de gauche, qui sont des feuilles conservatrices. Mais dans ces articles, il y a du respect. Parce que quelqu'un qui va à ce point jusqu'au bout de ses idées est respectable. Elle est profondément respectable, Louise Michel. Et voyez-vous, ces magistrats militaires n'osent pas la condamner. Peut-être l'auraient-ils condamnée à mort si, justement, elle avait été
Elle avait essayé de noyer le poisson, mais comme elle a parlé de cette façon, justement, on ne la condamne pas à mort. Elle est condamnée à la déportation dans une enceinte fortifiée et elle sera embarquée. En août 73, à Rochefort, sur une frégate, une vieille frégate à voile, la Virginie, elle part, elle est condamnée à la déportation à la Nouvelle-Calédonie. C'est là qu'on envoie les condamnés de la Commune. Et sur cette vieille frégate, eh bien, on a construit deux cages, une cage pour les hommes, une cage pour les femmes. Alors au départ, eh bien, on a compté l'argent des femmes qui s'embarquaient. Alors, on a les documents, une femme 112 francs, une femme 91 francs, une femme 77 francs. Louise Michel, 2 francs 50. Elle n'a absolument rien. Alors on lui remet un baluchon, ce sont ses vêtements pour la déportation. Toutes les femmes reçoivent ces vêtements. Et le bateau glisse vers le sud, les Canaries. Elle se dit, mais est-ce que c'est pas les restes de l'Atlantide ? Elle écrit des poèmes, parce qu'elle écrit toujours des poèmes, et il y a dans ses poèmes des éclats, des éclairs. Et puis on glisse vers le pôle sud, on va contourner le sud de l'Amérique. Le sud, il fait très froid, c'est le cap des tempêtes, la glace sur le bateau. Et elle, elle tremble dans ses petits vêtements, parce que comme il y avait des femmes qui avaient froid, elle leur a donné ses vêtements. Alors elle n'a plus que petite jupe de mérinos. Et Rochefort, Henri Rochefort, l'homme de la lanterne, qui lui aussi a été condamné, qui est dans la cage des hommes, qui la voit de loin, voit avec terreur qu'alors qu'il y a la glace partout, elle est à pieds nus. Elle a donné ses chaussettes, elle a donné ses chaussures à une fille plus jeune qui avait froid. Et le commandant du bateau s'est dit, mais enfin, on ne peut pas la laisser comme ça. Et le commandant vient voir Rochefort et dit, écoutez, si je lui donne des chaussons, elle refusera parce qu'elle dira, le commandant, c'est le représentant de la société. Alors vous, voilà des chaussons, faites-lui passer les chaussons comme venant d'eux. Et c'est ce que fait Rochefort, on fait passer les chaussons. Rochefort crie, prenez ces chaussons, elle les prend. Et Rochefort dit dans ses mémoires, je lui ai vu ces chaussons-là pendant 2 jours au pied. Le 3e jour, les chaussons étaient au pied d'une autre femme. 4 mois, la Nouvelle-Calédonie, là c'est le choc. Elle est émerveillée par les paysages qui tout à coup se dessinent devant elle. C'est une nature qu'elle n'aurait pas imaginée. C'est une sorte d'autre rêve éveillé. Elle est moins émerveillée quand on la cantonne avec les autres condamnés dans la presqu'île Ducos, où ils sont obligés de construire eux-mêmes leur demeure. J'ai vu cette presqu'île Ducos, il n'y a plus rien. On manque quand même encore de vieilles maisons où habitaient des déportés de la Commune. Et là, elle sera ce qu'elle a toujours été, ce qu'elle sera toujours. Elle ne pensera qu'aux autres. Elle soigne les malades. Clémenceau lui envoie de l'argent, elle le donne aux plus pauvres. On lui envoie des vêtements, elle les donne. Les incultes, ceux qui sont illettrés, elle leur apprend à lire. Elle s'est fait donner une mission par la Société de Géographie, étudier les peuplades Kanak, elle les étudie. Une mission par la Société d'Acclimatation, elle plante des graines pour qu'il y ait à la Nouvelle-Calédonie de nouvelles essences. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de bagnards qui se soient fait donner en même temps 2 missions scientifiques. Et puis surtout, elle découvre les Kanaks, les habitants de l'île. Et elle les aime, les Kanaks. Elle les trouve vrais, authentiques. Elle les aime d'autant plus que les autres ne les aiment pas. Parce que ces communards, ces gens, ces révolutionnaires, ils ont les réflexes de leur temps. Alors c'est le temps de la colonisation. Ils sont sûrs qu'on apporte le bonheur à ces gens-là. Elle n'en est pas si sûre. Et elle essaye de le démontrer aux communards en leur disant « Vous avez tort. » Elle aime les Kanaks. Et eux, comme ils se sentent aimés, ils l'aiment. Elle fait ce qu'elle peut pour eux. En 1878, il y a une grande révolte Kanak. La chose curieuse, les gens de la Commune font bloc avec l'armée. Parce que ce sont des Blancs, et comment, des sauvages qui se révoltent. Elle, Louise Michel, épouse la cause des Kanaks. Elle apprend même aux Kanaks à couper les fils télégraphiques. Elle est dans le droit fil de ce qu'elle a toujours pensé. En 1979, elle a le droit d'aller à Nouméa comme déportée libre, si on peut dire, et elle forme une école pour les enfants des déportés et une école pour les Kanaks. Et les Kanaks aiment entendre Louise Michel leur parler parce que quand ils apprennent à lire, à écrire, ils ont l'impression d'être un peu plus libres. On parle d'elle en France, elle est devenue très connue depuis son procès. Et puis il y a les déportés qui rentrent et qui disent, vous savez, voilà ce qu'est Louise Michel. Il y a dans les archives de la police un rapport unique, je crois, dans ce genre d'archives. Un rapport qui dit,
Vis-à-vis des employés de l'administration pénitentiaire, Louise Michel est considérée comme une sainte. Cherchez longtemps, vous ne trouverez pas beaucoup de rapports de police donnant un tel jugement de l'administration pénitentiaire. Alors on demande sa grâce, il y a des journaux qui ouvrent des pétitions, il faut gracier Louise Michel. Elle refuse, elle écrit au président de la République, « Je ne veux pas de grâce, je partirai la dernière quand vous aurez amnistié tous les condamnés. » Et on amnistie en 1880 tous les condamnés, c'est peut-être à cause d'elle. Elle prend le bateau, les Kanaks sont sur le quai, ils pleurent, il y a des centaines de Kanaks. « Louise, Louise, ne t'en va pas !» Elle crie qu'elle reviendra, elle ne reviendra pas, mais elle le pense quand elle le dit. Londres, le Havre, le train, la gare Saint-Lazare, elle est là dans son wagon, avec deux amis, elle descend, elle croit être seule dans la gare. Quelle surprise! La gare est pleine de gens, la cour, toutes les rues. Il y a 20 000 personnes qui sont venues accueillir Louise Michel. Elle est là et elle pleure. Comment? Moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que... Je ne compte pas. Et on l'embrasse. Il y a la Clémenceau, il y a la Rochefort qui s'est évadée, lui, avant elle. Et elle reste un instant. Elle ne veut pas de gloire. Elle s'en va voir sa mère à Conches, la vieille Marianne. Et elle reprend le combat. Oui, le combat. Parce que ce qu'elle ne tolère pas existe toujours. L'exploitation des ouvriers et des ouvrières, l'inégalité entre les hommes et les femmes, le travail des enfants. Pas de garantie, pas d'assistance, pas de droit au travail. Il faut changer ça. Et elle lutte. Et comment peut-elle lutter, elle qui est toute seule? Elle ne fait pas vraiment partie d'un parti. A-t-elle une appartenance politique? Ce dont on peut être sûr, c'est que quand un parti de gauche est plus persécutée qu'un autre, alors elle s'y jette. Au fond, elle est anarchiste. C'est ça, Louise Michel. Elle ne supporte pas de joug. Et surtout, elle est tenue par un mot, un seul, l'amour. Elle aime et elle pense que quand les hommes s'aimeront, tout sera résolu. Alors seule, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, elle parle. Bien sûr, elle écrit. Elle a beaucoup écrit. Elle a écrit des vers. Je vous ai parlé de ces vers, il y en a de très beaux. Elle a écrit des romans, ils ne sont pas très bons, disons-le, des pièces de théâtre, elles sont... Non, parlons pas des pièces de théâtre. Elle écrit un livre sur la Commune, tenez, je l'ai là. Un livre qui, lui, est très beau. Si vous le trouvez, lisez-le. Mais ce n'est pas par l'écrit qu'elle fait connaître ce qu'elle sent en elle, c'est par la parole. Elle a un don, elle sait parler. Et ça dure 25 ans. Imaginez pendant 25 ans cette femme qui n'arrête jamais, qui va de ville en ville. On annonce quelques lignes dans un journal, Louise Michel parlera au théâtre municipal, telle heure, telle date. Et la salle est pleine. Les gens viennent l'entendre. Et elle est là, toute frêle, dans sa robe noire, sur la scène. Et elle parle. Et les souffrances du peuple qu'elle dépeint, tous ces gens qui sont assis dans la salle, les ressentent avec elle. Et ces gens sont atterrés par ce qu'on leur raconte. Et les condamnés de la Commune, qu'elle vénère quand elle parle d'eux, de leur sacrifice, de leur mort, eh bien tous ces gens qui sont assis là, ces gens pleurent. Et quand elle parle de l'avenir radieux, de la société changée, d'un monde meilleur, heureux, plus juste, les gens le voient. Et on l'acclame. Et on l'aime. Et elle s'en va. Et elle va de ville en ville, elle va ailleurs, elle reparle, elle parle d'autre chose. Dès qu'il y a une cause injuste, elle la dénonce. Dès qu'il y a quelqu'un à secourir, elle y va. Elle est sans cesse mobilisée. Elle se mobilise elle-même. Chômage à Paris, très forte époque de chômage, vous savez, il y a toujours eu, enfin souvent du chômage. Et là, il n'y avait pas de garantie, pas d'indemnité de chômage. Imaginez le chômage. Un ouvrier en chômage qui a des enfants. Qu'est-ce qui se passe? On meurt de faim et on meurt de faim. Alors elle fait un appel. Chômeur, place des Invalides, avec moi, tel jour. 15 000 chômeurs sur la place des Invalides. Elle est là toute seule, petite femme, frêle, mince. Elle dit, il faut que nous manifestions. Nous avons la force. Et... nous n'en usons pas, mais nous devons montrer cette force. Alors suivez-moi, nous allons montrer
à ces gens que nous sommes l'armée des travailleurs. Et il traverse Paris derrière elle. Elle brandit le drapeau noir. Et puis alors comme ils ont faim, ils sont devant une boulangerie, ils s'arrêtent et ils prennent le pain. Et alors elle crie, surtout ne faites pas de mal au boulanger. Parce que oui, la révolution, mais sans qu'on fasse de mal à personne. Et elle continue avec quelquefois des incidents qui sont des accidents. Au Havre, elle parle, un forcené pénètre sur la Seine par derrière et à bout portant lui tire une balle dans la tête. Alors on essaiera de l'opérer 3 fois pour tirer la balle, on ne pourra pas. Elle aura toujours cette balle dans la tête. Et savez-vous ce qu'elle fait? La première chose qu'elle demande, surtout qu'on ne lui fasse pas de mal. Et puis après, quand on l'arrête, le forcené, qu'on le juge, elle remue la France entière pour que surtout on ne lui fasse pas de mal. Elle écrit au président de la République, elle écrit aux journaux, elle est là pour témoigner pour lui. Elle dit, mais voyons, vous voyez bien, c'est un moment d'hallucination. Puis écoutez, il a une femme, il a des enfants, vous ne pouvez pas le mettre en prison. Qu'est-ce que deviendraient sa femme et ses enfants? Et on la quitte parce qu'elle l'a demandé. Puis alors, épisode un peu comique, un jour un bourgeois, un commerçant, un riche commerçant vient la voir, lui dit, il faut que vous ayez un journal. Ah, un journal. Oui, vous pourrez dire ce que vous pensez dans le journal. Mais vous savez, c'est pas dans votre sens que j'écrirai. Ça ne fait rien, dit le bourgeois, vous savez, j'ai gagné beaucoup d'argent dans le commerce et maintenant j'ai des remords. Je me demande si cet argent, je ne l'ai pas gagné aux dépens du peuple. Alors, je vous donne tout l'argent que vous voulez pour... Et là, ce journal qui paraît. Et le bourgeois est toujours avec elle, désormais, elle l'introduit dans les milieux révolutionnaires, on lui fait fête, dès qu'il y a un comité, il est là, dès qu'on fait des préparatifs, dès qu'on fait des plans d'action, il est toujours là, ce bon bourgeois. Jusqu'au jour où on s'aperçoit que ce bourgeois n'est pas du tout un bourgeois, mais un agent de police, qui a été envoyé là par le préfet de police Andrieux, qui s'est dit, grâce à la bonne Louise Michel, je vais introduire un mouchoir au sein de tous les comités révolutionnaires. Comment voulez-vous qu'elle ait pu déceler une telle manœuvre? Et puis il y a la duchesse d'Uzès aussi, elle a fait la connaissance de la duchesse d'Uzès, comme elle est toujours très féministe. Louise Michel, n'oublions pas jamais son combat féministe, qui est très important, l'égalité des droits pour la femme, pour l'homme, l'égalité des salaires, surtout. Et la duchesse d'Uzès est féministe, alors cette grande dame, qui est une des plus riches de France, et Louise Michel sont devenues amies. Ce qui fait que quand un compagnon révolutionnaire est jeté en prison, qu'on a besoin d'un peu d'argent pour un avocat, elle écrit tout de suite à la duchesse, vite un peu d'argent, et c'est la duchesse qui paye, amusant. Elle vieillit, mais elle continue, parce qu'elle croit toujours. Elle est sûre que ce monde meilleur est pour bientôt. Elle est sûre que la société changera. Elle est vieille, elle est fatiguée, elle va toujours de ville en ville. Elle parle. 1905, elle est épuisée. Marseille l'appelle, il faut qu'elle vienne, on a besoin d'elle. Et quand on l'appelle, elle va toujours. Elle y va, elle arrive. Et quand elle arrive, le 5 janvier 1905, elle s'alite la fièvre à l'hôtel de l'Oasis, boulevard du Gommier. Un médecin... double congestion pulmonaire. Elle meurt le 9 janvier à 10h. Elle a 75 ans. On ramènera son corps à Paris et on la conduira au cimetière de Levallois-Perret où l'attend déjà depuis longtemps sa mère, la pauvre Marianne. Alors, pour cet enterrement, le pouvoir a peur. On a mobilisé la troupe. Les fantassins, les gendarmes à cheval, toute la police, des centaines et des centaines d'hommes. Jusque-là, on avait peur d'une petite femme en noir. Maintenant, on a peur d'un cadavre de femme en noir. Et savez-vous combien de Parisiens vont suivre le cortège? 100 000. 100 000 Parisiens qui suivent et qui pleurent Louise Michel. Parce que Louise Michel aimait les hommes et demandait qu'on aime les hommes. Je pense à Louise Michel. Je pense à ce petit lit de l'hôtel de l'Oasis à Marseille où elle a rendu l'âme. Et je pense à ce qu'elle a dû penser avant de fermer les yeux pour jamais. Elle a pensé qu'il fallait être un peu patient, mais que bientôt, on toucherait au but. Elle était sûre qu'on toucherait au but. Elle était sûre que le jour viendrait
où il n'y aurait plus d'injustice dans le monde, où il n'y aurait plus de frontières, où il n'y aurait plus de guerre. Elle en était sûre, et je suis sûr, moi, que Louise Michel est morte heureuse, parce qu'elle en était sûre. Comme en était sûr Victor Hugo, lisez ce qu'a écrit Hugo sur le XXe siècle. Tous les problèmes devaient être résolus au XXe siècle. Il fallait attendre avec impatience le XXe siècle. Et je pense à Louise Michel mourante. Je pense aussi à Hugo. Et je suis épouvanté, comme vous l'êtes, parce que qu'est-ce que nous avons fait, nous, de leurs espérances? Plus de guerre? Deux guerres mondiales. La science, qui devait tout résoudre, effacer la sueur des hommes? La science a servi à faire ce que vous savez, un déchaînement de mort. Et le socialisme qui transfigurait littéralement Louise Michel, au nom du socialisme, le goulag, l'extermination, la torture, et maintenant, au nom du socialisme, le génocide. Mais si elle était là, Louise Michel, que dirait-elle? Nous l'avons trahie, Louise Michel. L'humanité a trahi les espoirs de l'humanité du XIXe siècle. Et nous n'avons pas à être très fiers de nous, croyez-le. Holocauste, extermination, univers concentrationnaire, qu'avons-nous fait? Alors elle a rêvé, Louise Michel. Alors Louise Michel était inutile. Alors ce combat était inutile. Il ne faut pas croire ça. Non. Et je ne le crois pas. Je crois qu'il faut qu'il y ait à toutes les époques de l'humanité des gens qui se lèvent, qui dénoncent, qui crient, qui appellent. Il faut un Las Casas qui dénonce le massacre des Indiens. Il faut un Voltaire qui crie pour la tolérance et pour qu'on réhabilite Calas. Il faut un Zola qui crie pour qu'on rende justice à Dreyfus. Il faut une Louise Michel.